bienvenue chez Maître Cal, votre coach sportif qui vous fait souffrir à 300%. Laissez-moi votre message et je vous rappellerai dès que possible. N'oubliez pas, si tu veux du muscle, tu chies. On rappellera. Les gars, l'intro vidéo importante. Salut les guerriers. Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des injections. Basse. On est là pour faire des plantations. Voilà. On est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui, vidéo drama, vidéo spéciale. On va appeler Maître Cal pour lui demander si on peut lui acheter des produits. Donc on va appeler Maître Cal. Je vais lui faire croire que je suis intéressé par ses coachings à distance. Et on va essayer de gratter un peu des infos, savoir s'il est vraiment naturel, s'il vend des cures, des programmes tout faits. Donc nous, on a notre petit avis là-dessus. Il est pas au courant. Là, ça parle sérieux, là, les gars. Bon, les gars là, là, on va avoir des problèmes après cette vidéo. Regarde, regarde le titre, ouais. Tu connais pas c'est qui ça? Lisa Anne. Vas-y, vas-y, vas-y. Les gars, unfollow, supprime Fitness Fusion, c'est bon, désabonnez-vous. Les gars, on a réussi à l'avoir au téléphone, donc écoutez bien tout ce qui s'est dit pendant cette conversation. Allez, moi je suis en vrai. Dans les commentaires, j'espère que vous comprendrez notre démarche de mettre un peu la vérité sur ce personnage. Il est pas du tout au courant de ce qu'on a fait, on l'a pas appelé avant. On va pas l'appeler après, on va poster la vidéo telle qu'elle. S'il faute pendant l'appel, ce sera sa faute. S'il est honnête pendant la vidéo, on montrera le visage, le vrai visage de Maître Cal. Moi, j'ai rien fait. Je vous laisse avec la vidéo, désolé pour cette intro bruyante. En train de dormir. Et c'est parti. Moi, tu veux que je l'appelle en visio, je lui demande. Mais non, mais il faut se repasser pour un truc qu'il ne connaît pas. 300%, puisse. Ouais, ouais, avec ses fausses dips. Là. C'est là, ouais, vas-y. Non, c'est Yamin Pub. Et vous, oui, vous. Quoi? Que feriez-vous dans ces 300? Allez hop. C'est bon, on fait pause, c'est pause. On l'a. Donc pour du coaching, c'est un peu de coaching. Regarde comment il écrit coaching. Pour du coaching. On dirait toi, frère. Les gars, c'est là où on voit le sérieux du mec. Peut-être c'est pour son numéro, frère. Bon, je suis sûr. On va essayer, on va appeler le numéro. Donc, je vais appeler ton. C'est mort, c'est mort. Si, 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 si. La tête de ma mère, tu n'auras pas mon téléphone. Appelle en privé. Pourquoi ça serait le mien? Ah là, faut pas appeler en privé. Pourquoi je t'avais dit? Pourquoi ça devait être le mien? C'était nul comme excuse. Voilà, j'aurais jamais dit ça. Parce qu'on a déjà essayé de l'appeler de et je l'avais convaincu de prendre ouais, son téléphone. Fois, pas de... Mais je t'avais sorti un bel argument. Ouais, attends, ouais, c'était quoi? Là, c'est mort. Ouais, parce que mon téléphone. Non, c'était nul. Voilà, après, je me suis dit, mais en fait, elle pue son argument. Moi, j'ai dit oui. Moi, je pense qu'il puait, mais comme il pue, t'en as pu parce que tu sais que puer ça, mais. Non, je me souviens plus pourquoi. Donc, oui. Tu peux me donner le numéro? Bah, 0777. Attends, faut qu'il réponde, dès qu'il dit allô, j'arrive. Ouais, mais là, il te voit, là. Je suis là, les gars. Eh, hey, oh. 0777. 07 77 68 49 68 49 24 24. On est parti, les gars. Normalement, non, c'était l'excuse, elle pue pas. Mon son il est dégueulasse. On va rien entendre. Voilà, on va rien entendre. Vas-y, donne ta puce, je vais mettre dans mon téléphone. Je vais pas enlever ma puce. Il va me casser les couilles. Si, tu bloques son numéro après. You win. Voilà, bah, regarde s'il me rappelle. Hein. Bah, je lui dis oui, c'est Joanio. Il habite là-bas, il faut aller le chercher. J'en ai rien à foutre. Ok les gars, donc c'est parti. J'ai un frère putain. Du chemin. Tu peux te faire passer pour moi. Non mais il va pas répondre, il va t'envoyer un message. Allô? Oui, bonjour. C'est Maître Cal? Oui, c'est Robert. Je regarde tes vidéos depuis un moment et j'ai vu sur pas mal de tes vidéos tu mettais un numéro pour du coaching, mais je voulais savoir si tu faisais des programmes déjà tout faits. Je fais pas de programmes déjà tout faits. Moi, je fais des programmes personnalisés. C'est du cas par cas. Je veux savoir le max de résultats. Ouais, ça, c'est mieux parce que je peux t'envoyer n'importe quel message, tu réponds. Voilà. T'as un site internet où, pour avoir les tarifs ou quelque chose comme ça? Bah non, le site internet, je l'ai mis un peu en stand-by parce que là, je suis à l'étranger, je continue beaucoup à l'étranger en ce moment. Avec le Covid et tout ça, tu vois, il fallait quand même pour relancer un peu l'activité. Sinon, pour tout ce qui est coaching, sur 6 mois, c'est 300 euros. 6 mois, coaching alimentaire, ça veut dire que tu as le programme alimentaire qu'on peut travailler ensemble, personnaliser suivant ton rythme de vie, ton travail, tout ça, là, tu vois, suivant l'objectif que tu cherches aussi, prise de masse, sèche, etc. Et bien sûr, tu as l'entraînement aussi, suivant si tu es en salle, si tu es à domicile, le matériel, etc. Tout est personnalisé de A à Z. Après, l'avantage que tu as, c'est que tu as un numéro de téléphone et que ton clocher est près de toi. Tu vois. Je peux même t'appeler, c'est pas que par message ou par boîte mail. Ah, bien sûr.
Ah, ça tue. Sans problème. Et 300, 600 euros. Tu m'as dit 300, 600 ? 300 euros et 6 mois. Donc ça fait combien par mois ça ? Ça fait 50 euros. J'hésitais entre Bazinga et toi. Et Bazinga, j'ai vu qu'il était à 100 euros par mois. Je sais pas si c'est bien fait parce que lui, il n'y a pas de diplôme. Toi, t'es coach diplômé, c'est ça ? Moi, je suis coach diplômé, j'ai une femme de sport. Ouais, ouais, c'est pour ça, ça m'intéressait. Après, chacun, en fait, lui, il est spécialiste dans tout ce qui est très portable parce que nous, on travaille pas dans ce sport. Moi, je fais tout ce qui est muscu, esthétique. Moi, je fais de la compète et derrière, je gère tout ce qui est. Ouais, bah justement, moi, j'aimerais bien aussi faire de la compète et c'est pour ça que je me dirige plus vers toi. Et... Après, pas de problème, après, comment dire, chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut, mais moi j'ai fixé mes tarifs comme ça, ça fait 5 ans, hein, donc je les ai pas changés. Voilà. Non, mais Bazinga, de toute façon, lui, il veut pas faire de la compète, toi, je sais que t'en as déjà fait, donc t'as l'expérience là-dessus, et ça pourra m'aider en fait, c'est pour ça. Écoute, y'a aucun problème, après, ce que tu veux faire, envoie-moi des photos de toi. Ouais. Alors moi je fonctionne comme ça, c'est quoi ton prénom ? Joachim. En Allemagne aussi. Alors, la première chose qu'on fait, nous, c'est qu'on fait un bilan. Il est gratuit, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu envoies une photo de toi, tu vois ce que je veux dire. J'analyse ton corps. Je te dis, voilà tes points faibles, tes points forts, comment il faut procéder pour avoir un corps homogène et une belle symétrie. D'accord ? Suite à ça, bien sûr, si tu veux travailler avec moi, on fait un programme, bien sûr, on se fixe des dates et tout ça, pour rédiger le régime alimentaire, pour rédiger le programme d'entraînement, etc. Je ne fais rien en copier-coller au PDF. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout, ça va être travaillé suivant ta morphologie, tes défauts et tes points forts. Et suivant les horaires à laquelle tu t'entraînes, etc. C'est-à-dire que c'est un programme à toi, pas à une autre personne. C'est-à-dire que l'autre personne ne pourra pas le faire. Voilà. Ok, ça marche. Et moi, ça fait quand même 6 ans. Hein. Tu verras que par rapport au bilan, ça fait quand même 6 ans que je fais de la muscu. J'ai quand même un bon niveau. Non, mais en fait, si je t'appelle, c'est parce que j'ai l'impression que j'ai déjà atteint ma limite. Tu vois, je sais que je m'entraîne bien, je sais que je mange bien. Et je voulais savoir si je pouvais pas avoir un petit plus, si tu savais pas comment faire pour m'aider à passer un cap, en fait. Parce que moi, je t'ai dit, mon objectif, c'était la compète. Regarde, quand on regarde la morphologie de base et quand on regarde l'évolution, moi, je pourrais te dire que c'est un talent, tu vois, parce que ça fait 20 ans que je suis dans le milieu. Et c'est pas pour te dire que je suis le meilleur coach du monde. Non, non, je me doute. Je suis le meilleur coach du monde, j'ai pas le meilleur physique du monde, mais... Mais moi j'aime bien tes vidéos, c'est pour ça. Voilà, tu vois, on partage donc une idée qui est un peu réaliste. C'est-à-dire que tout ce qui est atteignable, je vais te le dire, je ne vais pas te vendre là. Mais ça vient dans ton crâne, c'est comme moi, je préfère mille fois ne pas prendre de coaching, tu vois, et être bien dans ma tête que vendre du rêve à quelqu'un. Non. Envoie-moi des photos, Joël. Parce que moi, je me suis dit, comme tu avais fait de la compète, peut-être que tu pourrais m'amener à en faire, mais... Attends, moi ça me dérange pas, hein, tu sais, j'en mène déjà des gars, j'en prépare déjà un là, tu vois, j'en prépare. C'est pour ça que je me suis un peu retiré des réseaux sociaux il y a un mois, parce que c'est trop de travail, tu vois, aller suivre les gens, leur faire leur alimentation, les suivre à fond, en plus les adhérents à la salle de sport, en plus la prépa de compète, c'est très très compliqué, tu vois. Ouais, mais oui, pourquoi pas. Ouais, toi t'as déjà amené des mecs en compétition ? Oui. Mais pour moi, hein, c'est pour être honnête avec toi, hein, je pense pas que tu peux aller... Toi je sais que t'étais naturel quand t'as fait tes compétitions, mais si vraiment tu vas aller loin là-dedans, je pense qu'il faut... Ah oui. En plus moi, on m'a déjà... dit que tu t'es dopé, mais bon, c'est pas grave, tu vois, c'est un compliment pour moi, tu vois. Ouais, bah non, mais après, c'est normal avec le physique que t'avais, mais je sais que t'es naturel, t'es honnête dans tes vidéos, ça se voit. Mais, après, mais moi, si je voudrais passer le cap, je sais pas, je pourrais avoir quelque chose ou pas du tout? Bah, le truc, c'est qu'il faut savoir ce que tu veux, parce que moi, personnellement, c'est pas mes prestations le coaching chimique, je te le dis clairement. Parce que moi, tu sais, je me connais, tu sais, un peu, j'ai été formé sur ça, il y a des gens qui ont parlé sur ça, etc. Et comme moi, je te dis clairement, je ne touche pas à ça, donc je ne peux pas être le mieux placé pour te conseiller par rapport à ça. Mais le truc, c'est que c'est un choix personnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est un choix personnel, hein. Ça ne change rien. Ouais, ça triche, machin. J'ai des potes à moi, Joachim, qui sont à fond dedans. Malgré tout, quand on se voit tous les soirs, on s'entraîne, on se motive ensemble, là, tu vois. Je ne suis pas allé cracher dessus, parce qu'il est honnête, il me le dit. Il me dit qu'il est dedans, tu vois. Mais
quand on est sur Internet, il y a beaucoup d'hypocrites qui disent non, machin, etc. Tu vois, je vais pas toucher, etc. Moi, personnellement, je l'ai dit, les gars, si un jour je vais aller faire Olympia à Las Vegas, bah, c'est clair qu'à ce moment-là, si tu veux être parmi les meilleurs, il faut que tu sois chargé, tu vois. On va pas se mentir. Maintenant, personnellement, Joaquin, si tu veux te lancer juste dans des compétitions, premier pas, entre guillemets, on appelle ça, monter sur la scène, regarder ce que ça donne, etc., tu peux arriver avec une belle qualité musculaire, une belle qualité de sèche et tout, tester, regarder. Mais si tu as envie de te performer dans le milieu, ça c'est autre chose, tu vois. Ça c'est le conseil que je peux te donner, tu vois. Un pro, il est obligé de faire ça. Donc, ah, mais tous les pros sont chargés, là. Ne me prends pas la tête. Tous les pros sont chargés. T'as quel âge, quoi ? Moi j'ai 26 ans, là. T'es encore jeune, ça va. Mais je t'ai dit, t'as commencé déjà jeune, tu vois. Ouais, j'ai commencé à 20 ans. Envoie-moi les photos, tu sais, torse nu, tu sais que je regarde un peu, tu sais, sur le profil, le côté, tout ça, je regarde ce que ça donne, je reviens vers toi, je regarde mon agenda et je reviens vers toi. Vas-y, bah parfait, bah merci. Bah je t'envoie tout ça, je t'envoie tout ça où, sur boîte mail ? Bah par un MMS, là, t'as mon numéro de téléphone, tu peux m'envoyer par un MMS. Ah ok, parfait, ok, ça marche. Ça marche ? Vas-y, bah je vais réfléchir, quitte à faire... genre 6 mois avec toi en mode naturel et après tu vois si tu peux me donner des trucs ou pas. Franchement, je vais te dire un truc, il faut qu'on regarde ton corps comment il est et tout ça, mais moi personnellement je te conseille pas pour une seule compète c'est comme ça de te charger, ça sert à rien, franchement ça sert à rien. Personnellement, c'est le conseil que je te donne. Après il faut regarder, après c'est ton choix à toi, c'est pas le mien, moi je te conseille, c'est tout, voilà. Ouais, je sais, mais c'est pour la suite en fait. J'ai pas envie de changer de plusieurs fois de coach. Et je sais qu'il y a des coachs qui fournissent aussi avec. Et toi, je t'aime bien en fait. J'aurais bien aimé. Je vais être honnête avec toi. Il y a des coachs aujourd'hui qu'on appelle des coachs chimiques. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je sais. Ils sont plus axés sur la chimie que sur l'entraînement et l'alimentation. Tu vois. Donc, comme ces coachs-là, ils ont vécu tout le temps avec les produits, je pense qu'ils n'ont jamais vécu sans les produits. Tu vois. Donc, ils sont à fond dedans, donc ils se sont spécialisés dedans, donc ça veut dire que tous leurs élèves dès le début, ils le mettent à fond, tu sais, dans la chimie, tu vois. Bon, moi, personnellement, j'aime pas, tu sais, dégrader la santé d'un élève à moi, tu vois, et surtout juste pour gagner un pot de whey, tu sais, une médaille, tu vois, c'est pas le but. Donc maintenant, on parlera des compètes après, il n'y a pas de problème, d'accord ? Ok, bah très bien. On fait comme ça, bon, j'attends les photos aujourd'hui. Ok, d'accord. Bah je t'envoie tout ça, merci maître, merci maître Cal. Elle m'a convaincu. Je lui dis maître Cal. Je la poste. Ouais. Hein. Elle m'a convaincu. Moi, je la poste. Regardez, les gars. On était là c'est pour voir s'il était honnête ou non. Nous, dans notre tête, il n'était pas. Là, il nous a convaincu et on va quand même poster cette vidéo parce qu'on est là pour vous partager le vrai. Donc, s'il vendait des produits, s'il était chargé, on aurait dénoncé parce que YouTube, on veut pas de mecs comme ça. Ça sert à ça. Si on est en c'est démocratie ça. Sur YouTube. C'est ce qu'il dit, ce bâtard. Et après peut-être qu'il se dit ouais je suis au téléphone, faut pas trop que je parle de ça. Je pense pas gros. Mais franchement, vous écoutez les gens, vous savez quand ils disent vrai ou pas, quand ils sont honnêtes. Il n'y a pas cherché ses mots. Ouais. Voilà, il n'y a pas cherché ses mots. On sentait qu'il était honnête. Eh hey, les gars, lui il est là. Il venez vers moi. Il arrêtait pas de parler pendant la vidéo, ce fou. Durinavol. T'as moi je suis dans la qualité. Oh là, Judith. Ils veulent qu'on parle de Maître Cal. Yes, viens vers moi. Waouh, on est bien. Il est beau le plan A3. Comment ça plan A3, bâtard. Ok, donc en résumé, les gars, qu'est-ce qui se passe ? Pimous a tout noté. Vas-y, bah vas-y. En gros, il fait le coaching à 300€ pour 6 mois, soit 50€ par mois, c'est pas cher. Pas cher. Ah, c'est pour ça 300%. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. En plus, commercial. Sachant qu'il est coach diplômé. Ouais. Il fait les bilans et photos avant gratuit. Donc il voit avec toi tous ses programmes. Régime, etc. C'est personnalisé, rien de préfet. T'as là, on a vraiment l'impression qu'on est venu là pour lui faire de la pub, les gars, c'était pas du tout le cas. Il a bien précisé qu'il faisait aucune prestation de coaching chimique, ça veut dire pour les produits. Il se dit toujours naturel actuellement, pas de problème. Il met en avant le fait de rester natif pour une première compétition pour voir comment ça se passe. Il dit que ça sert à rien de se charger pour l'instant et qu'il aime pas dégrader la santé de ses élèves pour de l'oseille, donc il vendra pas de produits, il fera pas de coaching chimique. Voilà, donc ça c'est un bon discours de coach. Ouais. Ça c'est très bien. Un vrai coach, c'est ce discours-là qui doit tenir. Si le mec il arrive, fumer, frère, ouais. Il lui dit t'inquiète, j'ai tout ce que tu veux, vas-y, prends le programme à distance, c'est pas du tout ce discours-là qu'il a c'est eu. Ça. Et il nous a tout de suite parlé de la santé, il nous a dit qu'il y avait des potes la à prévention, lui, les gars. Aussi. Donc franchement on est surpris mais agréablement surpris de mettre. Mais c'est un mec, il a dit quoi encore? Il a dit ça sert à rien de faire ça si tu veux faire une compète. Voilà. C'est vrai. En fait il a dit ça si tu veux faire ça. Alors si qu'il aurait pu prendre mon argent et après c'est tout, il s'en bat avec de moi. Il y a des mecs comme ça sur internet. Il a dit ça c'est quand tu veux le faire toute ta vie. T'as capté? Ouais. C'est pour ça que je t'ai déjà resté, ça sert à rien de faire des cures. Donc
Moi, je donc c'était un fake au cas où, hein. J'étais pas prêt à faire une cure, hein. C'était pour voir si... lapsus révélateur les gars, le père et le fils. Écoutez-le. T'as son taron en bas là que vous avez en prépa compète. Donc mais c'est toi, c'est ton père en plus. Franchement, Maître Cal, on voulait te piéger. On voulait voir si t'étais quelqu'un d'honnête. Et tu l'as été, c'est donc on va quand même poster cette vidéo. Et ça montrera à tout le monde que t'es quelqu'un d'honnête en fait. Et comme quoi sur internet, il est plus sur YouTube, lui. Des fois notre image elle peut être gâchée pour un rien en fait. C'est vrai. Lui ce qu'il a toujours voulu c'est dénoncer, il a fait beaucoup de drama et c'est ce qui lui a attiré les foudres de pas mal de personnes en commentaire. Mais au final ça reste un coach qui a sa salle, qui est diplômé, qui fait des coachings à distance, pas de programme tout fait. Il charbonne, faut dire ce qu'il est. Et en fait, il y a du mérite, les gars. Donc, on a beaucoup craché dessus dans nos vidéos. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et j'espère que vous aussi, vous aurez une meilleure image de lui après cette vidéo. Encore une fois, Maître Cal, on s'excuse. On s'excuse un peu quand même. On s'excuse. Vous excusez ? Il s'excuse. Bon, du coup, j'espère que tu nous en voudras pas. La communauté de la FF, merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. On est des voilà, fous. Il faut le dire. On en fait des choses sur la chaîne. On n'est pas des mecs de drama en général. Mais on aime bien remettre la vérité à sa place. On a été élevé à la bonne école. Team Mutant, vous voyez toujours ici. C'était Fitness Fusion. Ah ouais, mais là pas ça. Purée, on va faire des injections. Ah ouais, ça les mecs. Il y a du chirénaboliase. On conclut, les gars. Ouais. Pour les nouveaux, apprenez ce petit slogan. C'était Fitness Fusion. France Football. Quoi? C'est lui. Ouais, France Football. France Football. De la FF en même temps. C'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de DJ, Bastos, et puis Moïse, et Force, et Fun. Ah voilà, c'est un mec, Maître Cal, je suis...